Et oui, bienvenue sur Games 2A TV avec Antoine 2A, Alexandre 2A qu'on a descotché, hein, et Gordon 2A, votre serviteur, comme toutes les semaines, comme sur chaque vidéo, pour vous présenter donc cette fois-ci nos achats vide-grenier en cash. On est allé en cash, hein, à Ajaccio Cash Express. Voilà, c'est le seul cash de Corse, donc on y va dès qu'on peut. Et on a trouvé de belles petites choses, et on nous a offert aussi de belles petites choses. Hein ? Oui. Attention, toi, le moindre bruit, tu se gages. T'as compris ? Non. On verra s'il a compris. S'il fait trop de bruit sur la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et la prochaine vidéo, on le virera, d'accord ? On trouvera un remplaçant. Le chat, il fait moins de bruit, ok? On voit tout ça de suite après le générique. Stupid idiot. Lâche ces ciseaux, qu'est-ce que tu fais avec ces ciseaux? J'ai pas hésité là. Eh ben, mais tu lâches. Voilà. Donc, on va commencer. Dans quel ordre? Comme ça. On commence comme ça. Allez, on commence par achat vide-grenier. Ah merde, il y a un sachet. Alors, achat vide-grenier, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Antoine, fais du bruit. Une notice GameCube. En fait, c'est une GameCube. Ouais, complète. Complète. En plutôt bon état. Je sais pas si ça se voit. Elle est pas mint, tu vois bien qu'il y a quand même quelques rayures. C'est qui a joué? C'est l'homme caca? Regardez, c'est dégueulasse. Les boutons sont marrons. On n'ose même pas poser le pouce dessus. Il va falloir que je change les boutons. On va. Ils vont chier dessus ou quoi? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec et je veux pas savoir. Ils se sont enfilés le cul. Sans? Non. Donc il y a tout, il y a le. Enlève-moi le sachet, j'en peux plus de ce sachet. Allez. Voilà, désolé pour les bruits de sachet. Perfectionne Alexandre. Donc il y a le câble vidéo, il y a la manette, il y a la lime officielle. Il est de la merde. Et je l'ai eu pour 18€. Oh, je me suis souvenu. Heureusement que je te l'ai dit. Hein. Ah, mais ça fait une heure qu'il me l'a dit. C'est qui allait négocier? C'est moi. Au départ, il a vendu 20€. Et il me dit, mais je peux vous faire un prix. J'ai dit, genre, j'aime, à 20€, je l'aurais prise. Il me dit, je peux vous faire un prix. Je lui dis, allez, je baisse de 2€, on va voir. 18€, ça vous va? C'est bon. Je fais, oh putain, allez. Putain, je crois que j'aurais dit 15, il me l'aurait fait à 15 quand même. Ok, donc voilà, c'est la bonne affaire du jour. On va vérifier. J'ai pas encore vérifié si elle fonctionnait. Mais elle est pas du tout poussiéreuse ni rouillée. Donc je pense que. Elle est en plutôt bon état et qu'elle devrait fonctionner. Ensuite, on est allé. On est allé chez nos amis de Cash Express. Hein. Alors, je remercie le vendeur. Alors, celui-là, je le connais pas. C'est un autre vendeur. Ouais. Hein, ça doit être la troisième fois qu'il me sert. Et je crois qu'il m'a reconnu parce que. Il m'a fait un beau petit cadeau. Mais. Wow. En fait, avant les cadeaux, on va montrer ce qu'il m'a pas offert. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Des jeux. Au Cash Express. Des jeux, je pense. Bon, ça c'est. Je suis tombé. Ça n'a rien à voir. C'est alors, quoi ce truc? À 20 centimes, Glooby Bulga Night. Ah, mais c'est toi qui l'as fait? Non, ça, moi j'avais fait Glooby Bulga Night avec une de mes associations pour Tibet Uditan. On avait organisé. Et Merce TV, on avait organisé Glooby Bulga Notte, donc version corse de Glooby Bulga Night. Sauf que nous, c'était une soirée totalement gratuite. Je croyais que c'était toi qui avais inventé le nom. Non, le Glooby Bulga, en fait, c'est dans Casimir. Glooby Bulga, c'est le plat préféré de Casimir. Là, une saucisse crue mais tiède, hein, c'est très important. Hein. Voilà. Ok, 20 centimes. Et sous blister. Et j'espère. Et j'espère qu'il y a la notice. Mine. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui prend ça? Kinect Adventures, à 20 centimes également. Ah, ils en avaient 36 000.
Ils en avaient 36 000, c'est pour ça qu'il est vendu. Je pense que c'est le logiciel qui est vendu avec le Kinect 360, qui est fourni avec le Kinect. Moi, j'avais justement un Kinect hein, que m'avait offert Julien Draven Astaroth, mais je n'avais pas de jeu avec. Hein, comme ça fait pas longtemps que je collectionne les jeux Xbox 360 et Xbox One. Disons que j'avais fait jusqu'à il y a quelques mois l'impasse, on va dire. Jusqu'à la fin de l'année dernière, j'avais fait un petit peu l'impasse sur Microsoft, mais je me dis. Bah, je me suis dit quand même, ça fait partie hein, des jeux vidéo qu'il faut collectionner. Donc voilà, je me suis mis à collectionner de la Xbox. Et voilà, on testera le Kinect avec ça. On verra comme ça s'il fonctionne. Oui. Ensuite, M&M's Shell Shocked. Alors c'est un jeu, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un jeu de plateforme. Enfin, un jeu de plateforme en 3D avec les M&M's. Hein, tout simplement. Totalement nul. Oui, mais bon, à ce prix-là, 2,90€, ça aurait été dommage de s'en priver. Et bon, la boîte est un petit peu fracas, mais il y a Anotis. Donc, completo. Alors, un jeu au pistolet, Time Crisis Project Titan. Alors, j'avais déjà deux numéros de Time Crisis. J'avais pas celui-là. Ils ont mis du scotch. Putain, les enfoirés. Faut que tu l'ouvres. Prends les ciseaux. Alors, tu me les as achetés et je te vais le prendre. 22 minutes. Vite, vite, putain. C'est pas moi. Je vais t'arracher les. Ah, notice, CD. Et pas pistolet. Et on va voir, tiens, prends ça. Et on va voir s'il est ni même pareil, des toutes petites rayures, toutes petites ridicules. Ouais, mais c'est pas ça qui va l'empêcher de fonctionner. Quoi. Un peu. Énorme. Bon, voilà, ça va, je suis très content. 3,90€. Alors, Force Aken, mais qui n'est pas dans sa boîte. Ça te fait rire. Mais faut pleurer, idiot. Attends, donne-moi ça, putain. J'ai tordu mes doigts. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tordu mes doigts. Ah bon? Et pourquoi ça te fait rire? Mais c'est... Oh, c'est un sacrilège. Pourquoi vous mettez ça dans des boîtiers CD, bande de cons? Laissez-les dans les boîtiers originaux. Alors je me suis dit, je vais le sauver à 2,90€. Je vais essayer de le sauver ce jeu. On va voir s'il y a la notice dedans. J'y crois pas trop, parce que le couillon qui a fait ça, c'est le genre de couillon qui jette les notices. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, il n'y a que la jaquette hein, qui a pris l'eau. Hein. Il a posé le café dessus, tout va bien. Ah putain, est-ce qu'il a coupé, est-ce que cet abruti a coupé la jaquette? Regarde, parce que je l'ai acheté à Ajaccio ce truc. Ah putain d'abruti, ça c'est un Ajaccien qui a fait ça. Moi je l'ai acheté au Cash Express Ajaccio, donc j'imagine que c'est... Qu'il est con. Ah putain, ouais, qu'il est con, ouais. Je vais pas dire con comme un Ajaccien, je vais mettre tous les Ajacciens sur le dos. Eh bon. Donc voilà, tout ceci, c'était au Cash Express. Donc après tous ces achats qui m'ont même pas coûté 20€, le vendeur me dit vous avez la PlayStation 2? Oui. Ça vous intéresse des jeux sur PlayStation 2? Oui, bien sûr. Ah ben j'en ai à vous donner. Donner gratuitement ou donner où il faut que j'échange contre un billet avec des chiffres dessus. Non, donner. Bon, alors il me donne. Fou. Je dis quoi? Alors, regardez tout ce qu'il y a. Bon, pas que du lourd. Hein. Bon, les Sims 2. C'est trop bien. Edition Platinum. Alors il me les a donnés en fait parce que ils sont peut-être un petit peu rayés. Il a pas voulu les tester ou les nettoyer tout ça. Lui est légèrement rayé en effet, mais bon, c'est pas. Donc Titeuf, méga compète. Mine de chine. Alors on l'avait rentré sur GameCube il y a pas longtemps en loose. Cocoto. Cocoto, il rigole, tu dis Cocoto, il rigole. Ils ont voulu lancer une nouvelle mascotte. Ah, Sonic, ah, ça a déjà été fait. Ah, Mario, ah, ça a déjà été. Donkey Kong et tout. Ah, Kirby aussi. Et on va faire un espèce de diable. Ah ouais, pas con. Comment on l'appelle? Diablo? Mais non, Diablo, ça existe déjà, couillon. Et c'est bon, on va pas l'appeler Cocoto. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, on va pas l'appeler Cocoto.
Mais si, on va l'appeler Cocoto. Mais c'est... qu'on va l'appeler Cocoto. Et voilà comment ça s'est passé, l'histoire de Cocoto. Quoi? Un jeu Big Ben? C'est Big Ben Interactive qui produit ça. Donc c'est un sous-jeu en fait. C'est pas un jeu, c'est un sous-jeu. C'est pas possible. N'importe quoi. Alors il est peut-être bon, hein, on verra bien. Non, c'est quoi ces jeux de plateforme en 3D? C'est un peu comme Crash Bandicoot. Mais parle un peu. Non, il dit rien. Il dit rien. Parce que c'est pas lui hein, qui se fait chier à faire les montages après. Il faut aider Cocoto et ses amis. Wow, là tu m'aides pas par contre. Toi. C'est vrai? T'as jamais alors, aidé. Ah, Shrek le troisième. Ça peut être sympa par contre. Shrek. Bon, sans la notice. Est-ce qu'il est vraiment si rayé que ça? Légèrement, je pense que ça peut passer. À la dérayeuse. Plus rayé que ça. Ouais, au pire, on la passera à la dérayeuse. Alors, toujours sur PlayStation 2, Monstres et compagnie, l'île de l'épouvante. Waouh, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Quand tu l'avais regardé la première fois, je suis sûr que t'as eu peur. J'ai jamais regardé ça. Ah, les Sims 2, animaux et compagnie. Donc, c'est encore un Sims 2, mais avec des animaux. Et des compagnies. Et la compagnie créée. Ah, un jeu pour iToy. Pour iToy avec une épée. Mais il faut une épée. C'est peut-être vendu séparément. Mais séparément de quoi? De la console, de l'épée, bon, je sais pas. Donc c'est My Toy Play Hero. Donc une épée. Avec un gamin qui a une épée dessus. Non, deux gamins. Deux gamins qui ont deux épées. Tarzan Free Ride. Alors c'est un espèce de Tarzan, mais en version surf quoi. Donc ouais, voilà. Attention, c'est comme un jeu de snowboard mais avec de l'eau. Tarzan. Avec un bout de bois. Voilà, pause. Alors l'âge de glace 2, je crois qu'on l'avait déjà celui-là. Non. Mais en plutôt bon état, je trouve. Oh, il y a la notice. Il y a une autre notice en plus. Ça doit être un catalogue Konami. Ouais. Ouais, c'est un petit catalogue Konami 2005-2006. Alors, s'il montre quelques exemples à l'écran, voilà, je regarde juste si le CD est en bon état. Ah, un peu cracra, hein. Un peu cracra quand même. On verra bien, je pense que ça suffira. Ensuite, Bilbon le Hobbit. Enfin, Bilbo. Pourquoi Bilbo. Bilbo. Bilbo, ils ont bien. Bilbo Gate. Le prélude du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc le jeu était vraiment sorti avant hein, la saga sortie au cinéma. Bon, le livre existe depuis un bail, mais voilà, la trilogie Bilbon le Hobbit, même si. Enfin, du Hobbit. Hein, la trilogie du Hobbit est sortie après Le Seigneur des Anneaux. Bon, ça méritait peut-être pas une trilogie d'ailleurs, je dirais. Hein, ils ont rallongé ce qui n'était qu'un livre hein, par rapport au Seigneur des Anneaux où chaque livre avait son film. Là, ils ont fait. Ils ont sorti ce jeu-là bien avant, ça date de. 2003. Et je crois qu'ils n'avaient pas fini de sortir tous les Seigneurs des Anneaux, ils n'étaient pas encore tous sortis, je crois. Il devait y avoir au moins deux épisodes sortis. Mais le troisième n'était peut-être même pas sorti. Là. Hobbit. Donc voilà, ils ont voulu surfer sur la vague Seigneur des Anneaux. Jeu officiel. Et pour finir, dernier cadeau. Tu peux pas le poser, idiot. Je dormais. Les rebelles de la forêt. Vous l'avez vu celui-là? Oui, on a vu tous les un, rebelles. Deux, rebelles de la forêt avec la notice. Open donc, Season. En VO, ça s'appelle Open Season. Non, ça va, c'est pas trop. Et pas mis internet et connerie. Alors ce sac-là, alors ces cadeaux m'ont été faits par mon ami Eric d'Ajaccio, hein, mon ami et collègue, parce qu'il est entraîneur comme moi. Hein, et après s'être affronté sur le terrain de basket, enfin via nos joueurs, hein, parce qu'on est coach, donc, on joue plus. Donc. Et il nous a offert, c'est pas qu'à moi, hein, c'est à l'association, c'est à l'autre collection, c'est à, hein, voilà. Remember Me sur PS3. Remember Me, je ne connais pas du tout ce jeu. Tu connais pas? De Capcom? Oui. Je connais. C'est un jeu de quoi? Alors présente-nous le jeu. Non, je connais pas. Ah bah alors, ferme ta gueule. Non. Alors, Injustice. C'est à Paris. Oh là là, heureusement que t'es là. Bien. Ah oui. Ils auraient mis une gaufre, t'aurais dit, ah c'est en Belgique.
Donc, c'est l'auteur de moins de 6 ans. Par les créateurs de Mortal Kombat, Injustice, Gods Among Us. On l'a. Tu l'as ? Oui, sur quoi ? Steam. Donc avec des héros de... Injustice. Non, pas de Marvel, c'est les autres, comment ça s'appelle ? DC Comics, voilà. Tu sais jamais. Que n'est pas DC Comics ? Enfin, il a dit que c'était des Marvel, n'importe quoi. Attends, s'il te plaît. Hein ? Non, rien. Ça donne quoi ? Oh, un petit porte-clés Street Fighter 2. C'est Small Cab. Qu'est-ce que c'est ça? Votre partenaire arcade. Oh, merci pour votre achat. Que j'ai fait? T'as pété. Non. T'as non, pété, non, regarde, regarde. T'as pété. Attends. Si vous pensez qu'il a pété, c'est ma chaussure. Mettez-le dans les commentaires. Faut le faire comme tu veux. Non, on la coupe cette vie. Regarde, regarde, regarde. Ah oui, c'est bon, allez. Un livre, nos meilleurs souvenirs, jeux vidéo, 8 bits, 16 bits. Alors, un petit livre de chez Omake Books, hein, de Florent Gorge, hein, le fameux Florent Gorge, dont j'avais déjà... Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait rire quand je dis que Florent Gorge? Oui, c'est quoi? C'est une gorge? Il n'a pas de tête. Florent Gorge, bah, c'est un type, c'est une gorge. J'arrête là. Arrête, hein. Il s'habille avec une cravate, avec un nœud pape. C'est son... c'est Florent Gorge. Et ça te fait rire? Il s'appelle Florent Gorge. Purée. Heureusement qu'il s'appelait pas Florent. Florent cul. Alors, un livre de Florent Cour. Un livre qui regroupe plusieurs anecdotes sur les jeux vidéo 8 et 16 bits. Florent Gorge. Respecte Florent Gorge, s'il te plaît. Florent Gorge, c'est... C'est le français le plus calé au niveau de tout ce qui est Nintendo, en tout cas. C'est... Même les Japonais font appel à lui pour avoir des anecdotes. Hey, tu peux nous dire, Nintendo, d'où ça vient? Ben, bien sûr. Même lui, il connaît tout le monde. Il connaît... ça va au Freddy. Il connaît ceux qui ont fait les Super Mario, les Donkey Kong. Il va au Japon. Freddy, ça va Ils vont boire le saké et tout ensemble. Et il s'en met plein la gorge. Ils vont boire... Ils s'en met... Bon, allez, c'est bon. Voilà, c'est tout ça pour vous parler de ce petit livre sympa. Qu'est-ce qu'il reste comme temps? Allez. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous a offert d'autre, Eric? Les Skylanders. Dans un sac en plastique qui permet à Alexandre de faire un peu de bruit. Bon allez, présente-nous, parce que moi les Skylanders, je n'y connais rien. On connaît. Donc c'est quoi ça? Trap Team, la quatrième. L'écriture. Oui, je vois que vous savez lire. Mais c'est quoi sur Wii U, machin? C'est la version machin, c'est la troisième. C'est le troisième logiciel, c'est le. C'est la quatrième édition. Qu'est-ce que tu dis? 59. Non, mais il y a beaucoup. Combien il y a eu de jeux Skylanders? Il n'y en a qu'un? Non, il y en a 3, 4, 5, 6. C'est le combien de tièmes? J'en sais rien! Le quatrième! C'est quatrième de quoi? Le quatrième. Et bon. Il y en a plein! Tu l'as vendu avec quoi? Avec une raquette? C'est quoi? C'est un portail. C'est un portail. Enfin, portail. Le truc, c'est comme ça. Tu m'as dit, mais tu mets les figurines dessus, ça paraît dans le jeu. Tu mets figurines comme ça, et ça paraît dans les figurines. D'accord. T'es bête. Comme des amiibo, quoi. C'est des trucs, voilà. Non, on en a plein. Ah, tu peux jouer à deux. Vous les avez ceux-là? Je sais. On les a tous sauf celui-là. On les a tous sauf celui-là. C'est vrai. Ouais. Ah, tu es content de l'avoir? Mais on y joue plus trop là. Trap Team. Ouais, mais bon. Je suis content quand même, voilà. On a rentré quand même quelque chose qu'on n'avait pas dans la collection. Mais ça, je le prends aussi moi. Si tu veux. Les autres, tu les as regardés? Les autres, je les ai tous. Ouais. On les a tous. Ouais. Non, ça va. Tu le prends celui-là? Et quand tu as arrêté tes collections là, de Wii U, tu me donneras tout. Bah oui, on a plus que ça. On a les originaux, la télé, c'est quoi? Ouah, trop bien. Le premier. On a fait qu'il se détache. Ok. Ça, mets le là-bas. Alors, un carton. Oh. Alors, plein de petites surprises. Alors, il n'y a pas que du gaming hein, dedans, je vous préviens. Mais plusieurs câbles et accessoires qu'on va voir qui m'ont été offerts par un collègue, par Jean-Paul, à qui je passe le bonjour.
pas Jean-Paul le directeur, mais Jean-Paul la machine à café. Voilà. Donc, tu vas prendre comme ça, tu me les donnes, je les présente, je les donne à Antoine et puis Antoine il les met dedans. Allez. Une manette. Alors, une manette PS2 un petit peu poussiéreuse à revoir, à réviser. Ça a l'air de fonctionner. Une pile. Non, pas les piles, s'il te plaît. Les piles, elles sont tombées parce que voilà. Un truc bizarre. Câble vidéo, PlayStation. On fait vite. Câble VGA. Un Péritel. Câble Péritel. Doré. Un autre câble Péritel. Un autre câble Péritel. Un câble audio mini jack RCA. Une prise. Ah, une prise, bon, le genre de prise que vous avez sur les gros appareils, genre la grosse PS3. Péritel audio. Ouais, un truc Péritel, vous connaissez. Un câble S-Video. Un adaptateur mini jack RCA. Mini jack femelle. Alors ça, voilà, stop, la pause. Là, un truc intéressant. Sony, un truc PlayStation. C'est un truc PlayStation Sony. Prise allume-cigare. Pour recharger une PSP. PS1. PS1, non, c'est pas pour la PSP, c'est pour jouer à la PS1 dans votre bagnole. Oui, je te promets, ça c'est original et c'est pas facile à trouver. Il est un petit peu oxydé ici, mais je pense que les connexions se font quand même. On vérifiera ça. Bon, c'est pour la PS1, hein, j'entends pas la grosse PS1, mais la petite PS1. Donc une alim, pas facile à trouver. Cherchez un petit peu sur eBay tout ça, c'est pas commun, pas commun. Et je pense que bon, l'idéal ça aurait été d'avoir évidemment le petit écran intégré à la PS1, hein, vous savez, qui est vendu avec Marco là, hein, on l'a dans la collection quand même. Et voilà, ça permettait de jouer à la PS1 dans la bagnole ou dans la caravane. Ensuite, allez, on enchaîne. Adaptateur PS1, PS2 pour PC. Un Péritel avec plusieurs RCA. Une rallonge de prise. Une manette Saltec. Ça me fait penser à quelque chose. On n'avait pas rentré. Saltec. On n'avait pas rentré une manette Saltec il n'y a pas longtemps. Oui, une GameCube Saltec. Ça, c'est pour PC. Le joystick fonctionne, mais les caoutchoucs sont un peu abîmés. Un câble de prise, voilà, Catalim. Un Péritel. Un du RCA. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rigolo ça. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Ah oui, d'accord, c'est le câble des enceintes là. Alors il y a des enceintes Logitech. Ça c'est bien quand on va fabriquer des bandes d'arcade. Il y en a même plusieurs. Ou pour mettre sur, ouais, sur des ordinateurs. Ah mais c'est un système. Il y en a 6. 6, non, alors c'est peut-être 5, un système 5.1. C'est peut-être 5, un système 5.1. 5. Oui, il n'y a pas le caisson de basse, mais tu pourras me rajouter un caisson. Ça, c'est un adaptateur gros jack vers mini jack. Une souris. Une webcam. Une petite webcam Logitech. Pour vous lancer dans la vidéo sur YouTube. Un câble RCA. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens ça. Mon doigt, tu as pris mon doigt. Putain. Attends, c'est curieux ça. Bon, ça voilà, hein. On s'en débarrasse. Merde, il est neuf. Putain, j'ai pas envie de l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un truc de PlayStation. Ça doit être pour le pistolet, ça, non? Ouh, c'est pour sortir. Attendez, je l'ouvre, hein, parce que de toute façon, un jour, on va s'en servir, on va l'ouvrir. Ah. Je pense que c'est pour récupérer le signal d'une console, je sais pas laquelle. Ça doit être PlayStation, ça. PC. Écrit PC passe. QC. Oh. Quality Control. Je pense que c'est pour récupérer le signal en RCA d'une PlayStation. Bon, ça fait partie du, voilà, du lot Logitech. Ça, c'est un câble d'alimentation DS qu'on peut mettre sur port USB. Un câble RCA jack. Mini jack. Ah oui, micro jack même. Mini jack. Ça, c'est un câble S-Video vers RCA. Un truc bizarre. Et un truc bizarre, on verra bien. C'est quoi? Je trouve que c'est pour brancher un micro dessus et avoir des sorties comme ça. Ok, à combien on est là? 5.
Ok, dernier objet, dernière surprise, dernière trouvaille, dernier achat. Hein, que, bon, ça vient d'eBay. C'est pas cher. Ça vient de... T'as vu ? Serbie, exactement. Hein, quoi ? Oh, non, mais j'ai caché quand même. Ça vient de Serbie. Ça vient de Serbie. J'ai bien caché, là, ça va ? Alors, je vais le faire comme ça. Ça vient de Serbie. Mmh. Allez, maintenant, on ouvre. C'est une petite surprise, mais on va pas tous les ouvrir. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs petits paquets de... Ah, t'as deux heures ? Des petits paquets de... Pokémon. Non. Stickers, collection. Yes ! Des stickers Nintendo. Une collection datant de 1992. Putain, on peut en ouvrir un. Alors, voilà. Donc c'est fabriqué par Merlin Stickers. Non, c'est pas du tout japonais. Made in Italy. Par contre, les illustrations, on va voir si c'est vraiment des illustrations japonaises originales. Bonjour. C'est un produit Nintendo officiel. Hein. Il y a l'espèce de saut de qualité derrière. Non, c'est pas un saut de qualité, mais bon. Il y a écrit Game Boy. Donc je sais plus combien j'en ai pris. Hein. Je vais avoir une vingtaine de pochettes. Je ne les ai pas payées très cher. Il y a écrit Game Boy. C'est pas très cher parce qu'on en trouve pas mal. Bonjour. Mais ouvre, allez, vite. Il y a écrit Game Boy. Alors, à quoi ça ressemble ? Un Game Boy. Alors, un petit autocollant Game Boy, ça peut être sympa pour la déco. Hein, si vous n'avez pas l'album, hein, vous mettez ça pour décorer vos cahiers. Cahiers. Ou vos meubles. Cahiers. Un masque, machin, là, un fantôme masqué, là, de... Ça masquasse. Ça masquasse. Mario World. Alors, c'est bien, il y a une capture d'écran de Mario World. Et de... Je crois que c'est Zelda. Enfin, Mario World, ça c'est Super Mario... World Time. Ça c'est le World 4.1 et Time 364, d'accord ? Alors c'est... Super Mario Land sur Game Boy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Capture d'écran, je crois que c'est... Capture d'écran Zelda. Encore sur Game Boy. Zelda. Ça peut être Zelda. Ça peut être Zelda, quand on n'a pas l'album, je peux pas vous dire précisément. Un bout de Bowser. Une capture d'écran de Mario World. Et c'est une capture d'écran de Super Mario 1. Alors dans cette collection, qu'on verra plus amplement, on fera un unboxing, un opening de tous les... Je sais pas comment tu dis, un déchiring de pochetting, hein, de vignetting, voilà. Pour voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans, on fera une vidéo à part. Mais voilà, sachez que vous avez soit les consoles ou peut-être des accessoires, des captures d'écran ou des personnages de l'univers de Mario. Ou Zelda. Il y en a combien ? Alors par paquet, tu en as 6. Je sais. Mais il y a combien de collections ? T'aimerais bien savoir. C'est ici, il y en a 1000. 2, 8, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On avait commandé 16. Mais alors je sais pas combien comporte la collection. J'aurai plus d'infos la prochaine fois qu'on fera la vidéo de ces petits autocollants. Et on ouvrira tous ces paquets avec vous dans une très prochaine vidéo. Avec nous. Je suis pas sûr. Pourquoi ? On verra. Parce que... Et pourquoi ce serait à vous de les ouvrir ? Non, avec nous. Nique pas mon truc là, parce qu'il y a un timbre de la Serbie là, je vais le garder. D'accord ? On dirait Ryu. Qu'est-ce que tu dis ? De loin ! Regarde. Ah oui, on dirait Ryu. Quoi ? On dirait Ryu. Mais oh, regardez. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es drogué ou quoi ? Mais arrête, tu montres mon adresse, putain d'idiot ! Mais regarde. Mais on dirait pas Ryu. Regarde de loin, on dirait tes jambes, une tête. Regarde, ça bouge un peu, vite. Coupé, au revoir. C'est la vérité. On dirait Ryu.